Salut, ouais, voici Captain Fleur de Sceptre, son nom de champion, se retrouve pour une nouvelle aventure. C'est le jeu. C'est assez de jeu, contrairement à plusieurs d'entre elles. Je connais le jeu. Quand je connais le jeu, c'est que j'y ai joué. Ce n'est pas une découverte comme à bien d'autres jeux. Puis ce jeu est une série. Une nouvelle série. Vu que le jeu, je l'aime bien. Pourquoi le faire en série? Puis. Ce jeu se fait pas ben en série. Une découverte. En découverte, du moins. Et ouais. Le jeu peut se faire en série, mais faut connaître un minimum le jeu. Si tu ne connais pas le jeu, tu sais pas où aller, tu vas chercher. Tu vas plus chercher que d'autres choses. Et justement, vu que tu vas chercher, tu vas perdre temps, puis ça va être des heures de montage. Rendu là, c'est. Tu fais pas ça une série. Si tu fais une découverte pour ce jeu là, c'est. Rendu là, c'est juste une petite essai de jeu, puis c'est tout. Mais pour faire une série, faut savoir quoi faire. Et moi, je sais quoi faire. Ok, je suis déjà quand même assez rendu loin. Je vais sûrement poursuivre avec cette partie, probablement. Dépendant. Qu'est-ce que je décide? Parce que j'ai déjà avancé quand même pas mal avec cela. Nous prononçons votre nom avec regret et fierté. Nos instincts primaires vous avez su dompter. Nos armes sauvages ont été rachetées. Un monde offert dont nous pouvions seulement rêver. Et serait de l'élégie d'Alonès par l'érudite Mononokmon. La monnaie dans ce jeu se nomme des géos. Bon, j'ai pas parlé parce que ça me tentait de ne pas parler. Mais vous avez vu l'introduction. Être supérieur, ces mots sont pour vous seul. Votre grande force vous marque parmi nous. Canalisez votre âme. Et vous accomplissez des exploits que d'autres ne peuvent que rêver. Il y a une chose que si vous faites découvrir ce jeu, possible parce que moi, comment je vais vous dire comment je l'ai découvert. Pas par Steam cette fois-ci. Vous l'achetez sur Steam, mais. Pas Steam qui a fait en sorte que je découvre ce jeu. Le jeu, j'ai découvert autrement. J'ai vraiment découvert ce jeu
d'une autre façon complètement différente. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça va vous donner des vies supplémentaires. En gros. Je regarde. Moi, j'ai des. De temps en temps, qu'est-ce que je fais? C'est que certaines musiques. Que j'ai déjà écoutées, mais en. Comme en partition. Ici, musique. Dans le fond, on voit la partition complètement sur l'écran. J'ai vu. J'écoutais une vidéo. Une quelconque vidéo. Puis je vois à la fin de la vidéo. Une partition. Avec ce bonhomme-ci. C'est marqué Hollow Knight, mais c'est je sais pas si je le prononce correctement, mais c'est Knight. Ouais, là, vu que moi j'ai juste un saut, je ne peux pas aller là, sauf que si vous êtes bon, vous faites vous regardez vers le bas. Et voilà. C'est beaucoup plus facile. Vous pouvez faire bien des choses. Être supérieur, ces mots sont pour vous seul. Au sein de nos terres, ne cachez pas votre vraie forme. Que tout se réjouisse de votre splendeur. Car ce royaume a pu produire des êtres tels que vous. On a un coffre. Dans ce coffre a des charmes. Les charmes, comme vous pouvez voir, on peut équiper des charmes. Ces charmes sont équipés uniquement sur un banc, comme vous avez pu le voir. Mais vraiment, ce jeu, je l'ai acheté pour une seule raison, parce que. Mais avant de l'acheter, c'est une autre raison aussi. Je n'achète pas un jeu comme ça pour rien. J'ai découvert ce jeu avec sa musique. C'est trop. Je pars la vidéo, bon, mais. J'ai pas regardé combien de temps ça a duré cette vidéo-là. Je l'ai perçu quand même. Je l'écoute. Monnaie. Ça faisait peut-être 10 minutes là, que j'écoutais ça. Ça dure 20 minutes. Je regarde. Et oui, ça dure 20 minutes. 21 minutes. 21 minutes, mais qui passe assez rapidement, je trouve. Puis c'est de la. Puis je trouve la musique impeccable. Tout au long du jeu. Jusqu'à date. Tout au long du jeu, la musique, je trouve belle. Ce qui m'a attiré sur ce jeu-là. Et bien sûr, j'ai regardé avant. Et ça m'a intéressé. Et c'est pour cela. En plus de la musique, le jeu m'intéressait. Et voilà pourquoi que j'ai fait cet essai de jeu. Être supérieur, ces mots sont pour vous seul. Au-delà de cet endroit, vous entrez sur la terre du roi et du créateur. Franchissez le seuil et respectez nos lois. Soyez témoin de la dernière et unique civilisation, le royaume éternel. Alonès. Dirtman, la ville fantôme.
Bienvenue, voyageur. J'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil du temps. Tous les autres résidents ont disparu, un par un. Ils sont descendus dans le puits pour rejoindre les cavernes plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sous notre ville. Il est tombé en ruine il y a bien longtemps. Mais il y attire toujours tout un tas de monde dans ses profondeurs. Riche, gros, illumination, ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi, l'air en bas est malsain. Les créatures deviennent folles et les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses vers tout. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut équiper un charme. Dans le fond, ce charme-là, qu'est-ce qui sert? C'est que quand on a une vie, tout va devenir rouge. Ce qui est désagréable un peu. Mais la force est augmentée considérablement. Moi, je connais quand même assez bien le jeu. Ben, une bonne partie du moins. Parce que j'ai pas encore terminé le jeu, pour être honnête avec vous. Mais c'est sûr que ça va finir que je vais terminer le jeu au moins une fois. Puis que je vais continuer. Ben, je vais faire la série, c'est ça. Salut. C'est un plaisir de rencontrer un autre voyageur sur ces sentiers perdus. Tu es petit, mais tu as l'air costaud. Monsieur Quirrell, j'ai une sorte d'obsession pour tous les endroits encore inexplorés. Cet ancien royaume recèle de nombreux mystères fascinants et le plus intrigant d'entre eux est juste devant nous. Un grand œuf en pierre situé dans les vestiges d'un ancien royaume. Et cet œuf, est-il chaud? Quoi qu'il en soit, il y a là unique en son genre. Peut-on l'ouvrir? Il y a des marques étranges partout dessus. J'aime tellement un beau mystère, qui sait quelle autre merveille se trouve plus profondément en dessous de nous. Mais durant cette série, qu'est-ce qui va être particulier, c'est que je vais faire la série à 100%. Oui. Cette vidéo sera... cette série Hollow Knight sera à 100%. Tiens, on peut détruire les stalactites. Évidemment. On va commencer fort. Avec un combat. Et voilà. Oh, une chenille. C'est sûr que les chenilles sont très importantes pour débloquer des affaires. Et si bien terminer le jeu à 100%. Je veux pas aller par là parce que ça ne vaut point la peine d'aller par là-bas. Pour l'instant, les affaires géo, je ne vais point m'en servir pour l'instant, les prendre, parce que ça pourrait toujours être utile. Une chance que j'ai... Une chance pour l'autre, ce que j'ai pas eu, faites attention, c'est pour ça que je me suis d'avoir. Il y a une chance que j'ai fait épée, parce que sinon j'avais une statite.
Ici, il y a bel et bien une chenille, mais il n'est pas accessible pour l'instant. On va pouvoir... On va pouvoir, bien évidemment, aller le chercher. Mais un peu plus tard, mais pas dans très longtemps non plus. Parce que dans ce jeu-là, il existe plusieurs zones. Puis ces zones, bien évidemment, sont différentes chacun. La prochaine zone, c'est une zone qui est... Je peux dire. Sinon, je ne dirais pas, mais la prochaine... Dans le fond, on a plusieurs pouvoirs. Là, en ce moment, on n'a aucun pouvoir. Non, on va en débloquer au fur et à mesure. Puis ces pouvoirs sont indispensables pour aller pour finir le jeu, littéralement. Que ce soit à 100% ou non, mais c'est important. C'est intéressant pour se faire de l'argent parce qu'on en a besoin énormément d'argent. Ça, je vais débloquer ça. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller en haut. On peut pas ben aller en haut parce que c'est ça. Ah bien, salut. Êtes-vous venu pour explorer ces magnifiques vieilles ruines? Ne faites pas ça à moi. J'aime explorer aussi. Se perdre et retrouver son chemin est un plaisir comme autre, aucun autre. Nous sommes extrêmement chanceux, vous et moi. Je suis cartographe de profession et, en ce moment, je cartographie cette région. Voulez-vous acheter un exemplaire du travail que j'ai fait jusqu'à présent? Absolument, ça c'est le plus beau qu'on va pouvoir acheter. Mais c'est 75. Une carte peut être une chose utile, mais elle ne peut pas être seule. Vous montrer où vous êtes. Si vous n'avez pas le sens de l'orientation, je vous suggère d'acheter une boussole en haut. À la boutique. Au magasin Isilda. Elle vient juste d'ouvrir son nouveau magasin de cartographie à Dirtmond. Avec toutes sortes de choses utiles pour des explorateurs comme vous. Elle vend même de temps en temps certaines de mes anciennes cartes. Je reviens toujours la voir après avoir fini de cartographier une région. Elle est toujours sexy de me voir. Pour l'instant, je vais garder mon argent. Pour l'instant, je suis bien ici. Ça, je vais prendre cet argent-là plus tard. Une source thermale. Et ceci. Oh. Dans l'eau, la source thermale est correcte. La source thermale, qu'est-ce qu'il fait? Il recharge. La mana ainsi que la vie, il recharge tout complet. Plusieurs événements comme cela vont arriver. Que je ferais pour mourir aussi facilement? Tomber facile. Je peux pas vous montrer d'exemple pour l'instant pour la mana, mais pour la vue, ben oui. J'en ai reçu comme ça, je peux pas la première fois. Tout au long de cette aventure, je vais vous parler de comment que la première fois, comment ça a été. Bon, celui-là, tant qu'à ça, comme ça, ça c'est fait. De toute façon, j'en aurai besoin, je veux pas. Tout de suite.
La seule chose qui va nous faire ça, c'est indestructible. On peut pas les détruire, ça c'est sûr. Mais on peut s'en servir. De la même façon que j'ai... que je me suis servi avec ça. Je vous conseille fortement de regarder vers le haut pour attaquer. Je dis ça sincèrement. Non, je vais chercher en haut. Parce que si vous faites pas ça, vous allez avoir de la misère. C'est plus facile. Ça c'est moi. C'est beaucoup plus facile ainsi. Depuis que je connais cette technique là, c'est beaucoup plus facile. Comme vous pouvez voir. En même temps, on n'a pas le... Vous voyez que je recule, en même temps, j'ai pas ce recul. C'est beaucoup plus sécuritaire ainsi. Peu que plus. Pour l'instant, on reste comme ça. Ah oui, c'est vrai. On va aller affronter un monstre encore. Le même qu'on a affronté. Mais une autre place. Mais ça va, on va aller ici. Bien. Comme ça, si vous faites par haut, moi vous avez pas le recul. Que j'ai fait, vous avez vu que j'ai reculé. Ça c'est quand je le fais pas par en haut. On va aller voir ceci. Et voilà. Ici, une cache, un passage secret. Avec des joueurs supplémentaires que je ne vais pas prendre un instant. Non, je ne vais pas prendre ceci. Parce que... Bon, de toute façon, faut que je revienne dans ce coin ici. De toute façon. Une machine avec le symbole d'un collecteur inséré. Inséré sur. Voici un collecteur. Salutations, petit être. Cela fait une éternité depuis la dernière fois que j'ai entendu la sonnerie de cette cloche. Elle a retenti jusqu'au fin fond du tunnel de Coloptère pour me faire venir jusqu'à vous. Je suis juif, fatigué. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais le son de cette cloche me fera toujours revenir. Ce tunnel de Coloptère s'étend jusqu'au centre d'Alonès. Si vous souhaitez les emprunter, aidez-moi de la plateforme. Je vous amènerai là où vous voulez aller. Moi je vais rester ici parce que j'ai besoin de faire de quoi. Par contre je vais faire juste une affaire. Me débarrasser de ça là, pour prendre ça tout de suite là, justement à cause que ça. Ça c'est fait, puis j'ai pu le refronter parce que j'aime pas cette bébête là. L'autre saute, c'est simple.
ça se recharge maintenant. Je ne veux point installer en haut tout de suite. Oui, c'est une mouche que nous allons combattre. Éviter ces charges. Comme vous voyez, je suis capable d'éviter ça. Ça, c'est moi qui ai trouvé ça. Et voilà. Toujours, je rends ça seul. Faites bien attention. Le truc, comme que je vous ai dit, eux autres, leur particularité, c'est juste... Vous savez, là, t'sais, dans l'écran de veille, qu'est-ce qui fait la balle qui va dans tous les recoins, c'est à peu près ça. C'est juste ce qu'il fait. Dans chaque recoin. L'autre côté, ça vaut pas la peine d'y aller pour l'instant. Ah, oh, tu es un lourdeau. Tu manies ton aiguillon comme une massue. Jusqu'où devrons-nous aller? Oh, quoi? Qui es-tu? Ah, je vois cet ancien village. Quelle sorte de rêve étrange m'a guidé jusqu'ici. Si tu ne m'avais pas trouvé, je ne pense pas que j'aurais pu me réveiller. Je suis Sly. Absolument, je vis une vie monotone à Dirtmond. L'air dans les serrures ne me fait réussir pas. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Tu peux venir me voir si tu remontes toi aussi. Je suis probablement le visage le plus amical qui reste. Et je pourrais te remercier convenablement pour ta bonne action. Faut dire vite. Remercier pour vendre des choses. Lui, c'est un marchand. Eh oui. Pour l'instant, on va remonter. Puis on va aller affronter tout de suite. On commence en force la première. Pour que ce soit plus relax pour les secondes. Les secondes fois. Oh, mais quelle bonne surprise! Notre marchand est revenu. Il vient juste de rentrer. J'avais espéré entendre des histoires grandes et autres de son temps passé plus bas. Mais il semble avoir presque tout oublié. Peut-être que c'est bien plus qu'il ne pouvait en supporter. Si tu es intéressé par sa marchandise, fais bien attention à l'histoire en affaire. Aucun concurrent, c'est bien cela le problème. C'est mauvais pour les affaires. Non, pas qu'il s'en plaigne. Ah, salut, je savais bien que nous nous reverrons. Comment trouves-tu mon petit magasin?
Je me suis installé très confortablement ici pour vendre dans ces breloques aux voyageurs comme toi. Si tu prévois un long voyage plus bas, j'ai plusieurs objets qui pourraient grandement améliorer tes chances de survie. Dont ceci. Indispensable. Ça, ça va être plus tard. C'est nécessaire. Indispensable aussi. Ça, c'est pas indispensable. Mais pratique. On en reparlera plus tard. On va rentrer là. Vous êtes venu acheter une carte, n'est-ce pas? Normalement, c'est mon mari qui vous devrait traiter. Mais quelle surprise! Il y a encore dans les ruines. Il revient de temps en temps pour me donner de nouvelles cartes à vendre. Mais je voudrais qu'il passe plus de temps ici. Tenir un magasin ne m'intéresse pas beaucoup. Vous devrez parfois revenir me voir avec mon mari qui est toujours en train de travailler. Nous aurons de nouvelles cartes en stock de temps à autre. Maintenant, voyons ce qui me reste à vendre. Boussole, ça c'est très important. C'est utile. Moi je l'équipe tout le temps. Ça c'est indispensable. Question. Si tu veux bien te repérer au minimum, les deux sont. C'est important d'avoir. Bon, on s'en va affronter quelqu'un. Première fois, ça a pris je sais pas combien de fois, plus. Oh, je vais le faire du premier coup, ça va être. C'est facile. Combat. Optionnel. C'est tellement vrai en plus. Le combat est tellement optionnel. Bien sûr, tout comme l'autre aussi. Et complètement optionnel, si tu veux pas l'affronter, tu peux ne pas l'affronter. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Vous allez le découvrir au fil du temps. C'est sûr que je vais mourir. Ah, je me suis pas assez rassis sur le banc. Quand on se rassit sur le banc, ça réapparaît tout le monde. Puis c'est. Si on fait juste quitter, certains ennemis reviennent tout seuls. Moi, je m'en vais par ici. Une fois habitué, c'est juste ça. C'est facile. Faire attention. Quatorze coups est nécessaire, tout comme les autres. Les deux autres que j'ai vaincus, plus petits que celui-là. Ah. La première fois qu'il fait ça, là, vous avez vu qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça
comme fait fissurer le mur. Revenir par contre. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. La première fois que je le fais, que je fais ça. Hein. Je sais pas que ça fait. Mais si c'est très important d'y aller, si vous y allez pas. C'est une erreur, c'est très important d'y aller. Oh, qu'est-ce qui sort de l'obscurité comme ça? Eh ben, tu n'inspires pas vraiment confiance avec ton étrange visage vide et ton arme à l'apparence redoutable. Quelque chose d'important a dû t'assurer dans les entrées dans le NES. Mais je ne poserai pas de questions à ce sujet. Peut-être que la raison pour laquelle tu as réussi à me trouver est que tu as besoin de mon aide. N'en dis pas plus, mon ami. Je vais te donner un cadeau. Un vilain petit sort de ma propre création. Cela sera tout simplement parfait pour un petit être comme toi. Ah. Esprit vengeur. De toute façon, cela est indispensable pour la suite. Pour poursuivre l'avancée, il faut avoir ça absolument. Aïe. Je pense que je l'ai même pas équipé. C'est trop ça. Vous voyez le recul? Faut être très attention. Et vraiment attention. Dans le fond, j'ai utilisé le sort. Dans un autre,
Il lance ça, qui est très utile pour ceci. Pour le tuer tout simplement. Et nous pouvons capturer ceci. Avoir un nouveau charme. Oh, te voilà, je veillais sur toi pendant que tu dormais. Mais je me suis endormi aussi. Quand je me suis réveillé, tu avais disparu. Tu es plein de surprises. Hein? En fait, je voulais te demander une petite faveur. Il existe une certaine créature rôdant juste au-dessus de nous, au centre de ce temple. Oh! Eh bien, en voilà une autre surprise. Tu as tué cette créature avant même que je te le demande. En fond, sinon, il te l'aurait demandé si vous l'aurez réveillé. Je ne mérite guère un ennemi comme toi. Tu es vraiment incroyable. Oh, oh. Et regarde ça, la porte entre nous est ouverte, comme si on l'avait pas remarqué. Je suis sûr que tu as hâte de poursuivre ton chemin. Adieu et aie confiance. Peu importe ce que tu cherches, ça te trouvera. On va faire deux choses. Bien sûr, d'équiper ceci en ordre et celle-ci. Car oui, c'est tout pour cette aventure. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo parce que, comme que j'ai dit, ça va être une grande aventure. Alors pour ça, et c'est pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'esprit. Toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dans tout le monde. Et bienvenue. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Et pour ça, je vous dis merci à tous.